Bonsoir. Alors Clermontec a pas voulu me lâcher le slot de 30 minutes, donc euh, j'ai une presse de 30 minutes qui va en faire 15. Donc euh, pardonnez-moi si je parle un peu vite, mais euh, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de remontée coordonnée de vulnérabilité. Donc c'est euh, bon, ça on va passer vite. Hein. Si vous connaissez mon blog Corben.info euh, je vais pas faire une présentation. Euh, pour vous situer un peu l'ampleur des dégâts en termes de cybercriminalité, pendant une minute, c'est-à-dire pour le temps qu'il va me falloir à peu près pour euh, présenter ce slide, il y aura eu 1900 victimes, donc à la fois des sociétés et des particuliers, euh, 5500 enregistrements dérobés connus, c'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qui sont dérobées dont on n'a pas encore connaissance ou dont on n'aura peut-être jamais connaissance, mais voilà, ça fait, euh, ça fait quand même pas mal de, de monde impacté, et tout ça pour 1,13 million de dollars de dégâts à la minute. Donc c'est quand même un, un gros problème la cybercriminalité. Euh, et ça touche bah, aussi bien les entreprises et les particuliers. Donc moi, je vais plutôt m'axer enfin, axer la discussion sur les entreprises. Euh, quand vous trouvez une faille... Je parle de vous parce que je pense que ça doit vous arriver de temps en temps de trouver des, des vulnérabilités. Euh, un chercheur en sécurité a plusieurs options. Soit il fait rien, parce qu'il va avoir peur des représailles, il va avoir peur que la boîte porte plainte, ou alors, bon, voilà, il, va, il aura mieux à faire. Soit il communique la faille à l'entreprise, euh, mais bien sûr, il s'expose. Hein, C'est-à-dire qu'en en faisant un petit mail en disant, ah, j'ai trouvé une faille, j'accède à tous tes clients, etc. Euh, on peut lui envoyer euh, les amis du petit déjeuner euh, le lendemain. Donc euh, ce n'est pas quelque chose que, que le, le chercheur aime faire, enfin fait facilement. Euh, et puis après qu'on verse dans le côté cybercriminel, ce qui peut se passer aussi, c'est que là, on, le chercheur en sécurité bah, se laisse tenter, revend la faille. Donc on parle souvent du darknet, etc. Pour, euh, avec les places de marché euh, qui sont accessibles via tort, où y a des, on peut acheter des vulnérabilités. Pour, pour qu'ensuite des concurrents les exploitent ou d'autres euh, cybercriminels l'exploitent pour, pour récupérer la data et la, la vendre. Et puis ensuite, euh, bah, le, le cybercriminel peut aussi exploiter la vulnérabilité. Donc, soit pour en tirer un profit direct, soit juste bah, pour faire je sais pas, un article sur son blog en disant Ah, regardez, telle banque, euh, j'ai accès à tous ses clients, c'est des gros nuls, etc. Mais là aussi, il s'expose. Donc, ça peut être problématique. Bien sûr, les entreprises ont des, des, des moyens de se, de se sécuriser. Donc, il y a les scanners de vulnérabilité que vous connaissez sûrement, hein, Nessus, etc. Euh, la plupart des boîtes font ce qui s'appelle des audits de, de code, donc des pen tests. C'est-à-dire qu'elles vont chercher des, des boîtes de sécu qui vont euh, dépêcher un ou deux consultants euh, qui vont trouver des vulnérabilités et les remonter. Et puis, euh, comme vous êtes la plupart des développeurs, je pense que vous êtes peut-être intéressé un peu à tout ce qui était développement sécurisé. Donc, cest à bonne pratique pour justement. Bah, produire du code qui soit un minima euh, sécurisé, il n'y a pas besoin de grand chose, il hein, faut juste s'y intéresser un peu, ça permet de réduire euh, beaucoup les risques. Et, euh, mais il y a une nouvelle méthode qui, euh, qui existe depuis maintenant plusieurs années, euh, mais qui n'est pas encore, on va dire, dans l'esprit de toutes les entreprises, qui n'est pas encore un réflexe pour la plupart des boîtes, c'est de faire confiance à la communauté. Donc la communauté des, des hackers, des experts en sécu. Et pour faire confiance à cette communauté, il y a une méthode qui s'appelle le Coordinated Vulnerability Disclosure, donc ce qui en français s'appelle remontée re, coordonnée de vulnérabilité ou la divulgation coordonnée de vulnérabilité. C'est, on va dire, la suite logique de tout ce qui est euh, euh, bah, euh, euh, responsible disclosure euh, vulnerability. Donc tout ce qui euh, permet de remonter des failles de manière responsable, sauf que là, on est sur un système coordonné, c'est-à-dire qu'en fait tous les acteurs sont autour de la table et tous les acteurs. Donc, à la fois l'éditeur du logiciel, la personne qui remonte la faille, euh, les, les gens qui trouvent, enfin, qui utilisent le plus les outils impactés, etc. Tout le monde se met d'accord, tout le monde discute, euh, un plan est mis en place, un plan de remédiation est mis en place, et ça permet euh, justement de, de sécuriser la, la vulnérabilité. Sans, en réduisant, on va dire, le, le temps pendant lequel euh, bah les machines seront exposées ou les systèmes seront exposés. Donc, euh, pour ça, il y a plusieurs euh, techniques, en fait, pour tendre la main à cette communauté. La première, elle est très simple, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire ce soir en rentrant chez vous, c'est euh, le security.txt. Alors c'est quoi bah C'est comme un robot.txt, c'est un fichier texte qu'on place euh, à la racine du serveur ou dans un sous-répertoire qui s'appelle well known euh, Ça fait l'objet d'une RFC, donc c'est n'est pas encore un truc officiel, mais ça devrait pas tarder. Et euh, l'idée de ce fichier, c'est qu'à l'intérieur, on puisse mettre bah, toutes, les, toutes les informations de contact, et par exemple la clé de chiffrement, et ce genre de choses, ou si la boîte recrute, euh, pour justement indiquer aux chercheurs en sécurité comment remonter une vulnérabilité euh, proprement, c'est-à-dire euh, pas la balancer sur Twitter ou pas l'envoyer euh, dans un mail en clair euh, à la secrétaire ou je ne sais pas où, enfin sur n'importe quelle boîte de contact. Là, en mettant ça sur votre serveur, ben, les vrais chercheurs en sécurité, donc ceux qui, qui connaissent un peu leur boulot, euh, iront voir si ce fichier existe et pourront euh, justement euh, vous renvoyer la vulnérabilité avec, euh, avec euh, tout, tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour justement euh, éviter euh, ben, les, les fuites. Voilà. Et l'autre moyen de faire de la remontée coordonnée, c'est de mettre en place ce qui s'appelle un bug bounty. Donc là, je vais passer assez rapidement, mais le bug bounty, l'idée, c'est de, de récompenser des gens qui vont trouver des vulnérabilités. Il me reste 10 minutes, est, ça va être chaud. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui a été inventé par Netscape en 95, parce que ça vient de l'open source et ça permettait justement de, 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 de mieux sécuriser Netscape qui se tirait la bourre à l'époque avec un Internet Explorer. Euh, et puis ensuite, bah, ça a évolué. Euh, Jusqu'à être adopté par les, 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 ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Facebook et compagnie. Il y a eu les premières plateformes qui sont arrivées, euh, notamment Buck Road et HackerOne en 2012. Et puis après, pas mal de boîtes s'y sont mises, donc à la fois des boîtes euh, du web euh, ou des boîtes d'éditeurs voilà, de logiciels comme Microsoft, mais aussi des, des boîtes plus traditionnelles comme MasterCard ou United Airlines qui, en l'occurrence, fait gagner des miles pour récompenser les. Les chercheurs. Euh, quelque chose qui montre aussi que c'est une technique de sécurisation qui est mature, c'est que l'armée américaine a lancé ses programmes de bug bounty. Donc on a Axe Pentagone, Axe Army Axe je sais plus, Axe Air Force. Et là, il bon, là, faut être américain, il faut avoir un casier vierge, etc. Donc ça, vous ne pourrez pas participer, mais, euh, mais bon, c'est assez intéressant. Et puis en 2012, il y a eu l'émergence des plateformes, comme je disais, et malheureusement rien du tout en Europe. Donc euh, c'est là que moi et mes associés on est intervenu, on a créé une plateforme européenne euh, qui s'appelle YesWeHack. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc euh, on est les seuls à faire du bug bounty, euh, on va dire du vrai bug bounty c'est-à-dire qu'on a une communauté ouverte, etc. En Europe, euh, les autres boîtes, on va dire qui, sont, qui font du bug bounty en Europe, marchent avec des systèmes de communauté fermées Et nous, on est vraiment, euh, on va dire calqué sur le système euh, américain, c'est-à-dire comme HackerOne ou comme Bugcrowd. Voilà, et donc, euh, vu qu'il me reste 13 minutes sur... Euh, le, euh, non, euh, 7 minutes. Le bénéfice pour les sociétés, il est, ils sont multiples en fait, les bénéfices. Est le, le bénéfice le plus évident, c'est que la boîte elle a un retour sur ses failles. Parce qu'une vulnérabilité, elle peut être découverte, redécouverte, oubliée, etc mais toujours dans le dos de la société, c'est-à-dire que les, les chercheurs vont passer et ne vont pas forcément faire de retour comme je disais au début, donc là la société bah, aura un retour et peut patcher euh, assez rapidement. Si euh, la boîte fonctionne dans un cycle, dans un, avec des méthodes de développement agile, euh, bah c'est l'idéal en fait pour sécuriser parce que actuellement les boîtes font des pen tests mais ça intervient sur des releases majeures, c'est-à-dire que vous allez développer un outil, etc. Euh, et puis à la, la V1.0, il y, y a des gens qui vont venir faire des tests, vont vous remonter des bugs, vous allez corriger et puis. Euh, puis bah, il va rien se passer ensuite après c'est à dire que euh, le prochain audit aura lieu peut-être que dans un an, peut-être dans deux ou dans six mois si vous avez de la chance mais pendant ce temps là vous, bah, vous développez de manière agile vous ajoutez toujours des nouvelles fonctionnalités des nouveaux bugs parce que bah, voilà, vous êtes humain vous, vous, vous insérez des bugs sans forcément le voir et, euh, et donc le bug bounty bah, ça permet en fait d'avoir une, une, une vue de sa sécurité euh, H24 7 jours sur 7 euh, sur un niveau euh, qui, euh, qui peut pas être on va dire euh, équivalent à celui d'un pentest a lieu tous les, tous les 6 ou 12 mois. Évidemment, comme c'est une communauté, c'est très riche. Euh, chez Yeshuaq, on a à peu près euh, 6, 000, 6 000 chercheurs. Euh, on a un peu plus de 6 000 chercheurs, on vient de les dépasser. Et donc, euh, bah, l'intérêt, c'est ça, c'est qu'on a des gens du monde entier, on a beaucoup d'Européens aussi, hein, mais euh, voilà, du monde entier, qui ont tous des approches différentes, des façons de faire différentes. Euh, des, des expertises différentes, et donc forcément, c'est beaucoup plus riche. Et on ben, voilà, les, les boîtes ont beaucoup beaucoup plus de retours et euh, des choses euh, bah, beaucoup plus pointues que, que ce qu'elles pourraient trouver sur un pentest de 15 jours fait par euh, deux mecs qui font ça depuis 20 ans, quoi. Voilà. Comme la société paye à la récompense, c'est-à-dire que le chercheur, quand il trouve une faille, il va être récompensé en fonction du, euh, de la criticité de la faille. Donc, si c'est pas très critique, bah, peut-être qu'il va avoir 100 euros. Et puis, si c'est super critique, il va peut-être toucher 1000 euros, 5000 euros. Enfin, ça dépend, des, ça dépend des boîtes et des récompenses. Mais ça permet aux boîtes de justement de contrôler leur budget. Elles payent vraiment au résultat. Donc ça c'est intéressant. Et puis après, bah, la promo, ça c'est aussi un facteur à pas négliger pour les sociétés, c'est-à-dire de dire euh, moi je fais du bug bounty, euh, mon système est testé H24, 7 jours sur 7 par, par des hackers. En plus les hackers c'est quelque chose qui a encore une image un peu, euh, on va dire, euh, euh, voilà, un peu, un peu mystérieuse ou euh, beaucoup de littérature autour des hackers. Donc on peut travailler aussi tout ça quand on fait de la, de la, prom, de la com et ça peut intéresser pas mal de boîtes. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer un peu le, le cycle de vie, je vais dépasser, hein, c'est sûr, désolé, mais le cycle de vie d'un bug bounty, euh, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ça c'est le programme de bug bounty de, de GitHub. Euh, quand ils l'ont ouvert au public, ils, le, le, les, premières, les premières semaines, donc c'est euh, trois semaines je crois le... Trois semaines chaque barre. La première semaine, les premières trois semaines, euh, explosion de bugs, tout le monde a remonté les bugs qu'ils avaient en stock. Et puis après, ça s'est calmé. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, un bug multi ne euh, va pas éliminer 100% des bugs. Il euh, y aura toujours des, des failles qui seront trouvées, et de manière à peu près équivalente, euh, bah, chaque jour ou chaque semaine, etc. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la communauté elle tourne, hein, c'est jamais les mêmes gens qui testent, donc euh, les nouveaux qui arrivent vont trouver des nouvelles choses. Et puis aussi, bah, comme je le disais, les développeurs vont ajouter des features, vont modifier leur code, donc euh, introduire des, des nouvelles failles. Voilà. Et alors pour les experts, si vous voulez vous y mettre au bug bounty, bah, c'est euh, chercher des failles. Vous allez pouvoir, ça va vous permet de faire la promo de vos compétences, euh, que ça soit sur euh, voilà sur, euh, sur votre compte Twitter, sur votre blog, euh, pour faire par exemple des, des conférences. Ensuite, il y, y a des hunters qui font justement des, des confs qui expliquent un peu leur, leur activité autour du bug bounty, de leur recherche de failles, hein, des chercheurs. Si vous cherchez du boulot, ça peut permettre aussi de montrer que vous avez l'expérience, de montrer que vous savez faire. Donc, ça, ça peut être pas mal aussi pour agrémenter son CV. Euh, évidemment, les récompenses. Donc, là, les chercheurs, bah, ça dépend des, des gens. Hein. Les plus doués euh, approchent du million. Alors, ils ne sont pas que sur euh, les plateformes européennes. Hein. Ils jouent euh, partout dans, sur toutes les plateformes. Mais les plus doués approchent du million de, 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 de dollars euh, à l'année. Donc, euh, ça va de arrondir ses fins de mois à gagner sa vie, même beaucoup plus que ça, euh, en faisant que ça toute la journée. Quoi. Donc, il y, y en a qui vivent que de ça. Quoi. Voilà, évidemment, comme c'est une communauté d'experts, de hackers, etc. Euh, L'idée, c'est d'avoir re la reconnaissance de ses pairs. Hein, comme on, ça marche souvent avec un classement, etc. Ça permet, bah, justement, euh, ça, c'est un côté très, euh, on va dire, euh, voilà, communauté, mais euh, ça permet de se faire une place en fait dans la communauté des hackers. Et c'est quelque chose aussi que la plupart des, des gens qui font du bug bounty cherchent. Voilà, et évidemment, euh, je passe hein, sur les nouvelles compétences, mais quand vous creusez autour d'un sujet et que vous voulez toujours plus loin, toujours plus loin, il bah, faut vous mettre à jour et permettre. Euh, ça vous permet d'acquérir des nouvelles, euh, nouvelles compétences. Et bien sûr de se challenger parce qu'il y a du défi, il y a tout ça. Voilà. Et quand il n'y a pas de CVD, j'ai presque fini. Euh, C'est-à-dire quand il n'y a pas de politique de remontée euh, coordonnée de vulnérabilité, euh, qu'est-ce qui se passe et ben, Quand quelqu'un trouve une faille et qu'il n'y a pas de sécurité TXT et qu'il n'y a pas de, de programme de bug multi, on est dans un cadre qui est en fait de la remontée sauvage. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas du tout prête à recevoir le, la, la faille. Et donc ça peut exposer le chercheur à des, à des poursuites judiciaires. Et donc pour ça, euh, on a la chance d'être en France, euh, malgré tout ce qui se passe, euh, on a la chance d'être en France et on a une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Mais bon, il y a plein de petites étoiles en dessous qui euh, disent qu'en gros, euh, il voilà, faut, faut être très rapide pour la remonter et que euh, c'est l'Annecy qui... En gros, vous n'êtes pas totalement protégé. Et euh, moi et mes associés, on a créé Zero Disclos qui en fait est un truc assez simple. Hein. C'est une petite plateforme qui permet de remonter une faille et de choisir un CERT, donc un, un organisme euh, accrédité pour, pour traiter ce genre de cas. Euh, et puis, euh, puis de pouvoir les remonter de manière anonyme en passant par tort. tout est chiffré et, euh, et balancé ensuite au CERT. De votre choix, donc ça peut être le CERT c'est-à-dire celui de l'ANSI, mais c'est un moyen de remonter des failles en se protégeant et en faisant son devoir de citoyen. Là, il n'y a pas de récompense, c'est juste pour, pour participer, on va dire, à la sécurisation globale et générale des entreprises ou des, des administrations. Voilà, et j'ai terminé finalement, pas, j'ai même une minute de rap, donc voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, je traînerai encore un peu, donc n'hésitez pas. Merci.